Et bonsoir à tous, bonsoir, ici Cléa Sim, on se retrouve pour le live sur Crusader Kings. Alors attendez, hop, excusez-moi, parce que j'étais un peu à la bourre. Voilà, on va pouvoir se retrouver tranquillement dans le jeu. Oui, bah, si vous voulez, klaxonner aussi. Donc, on s'était laissé dans le dernier live avec le royaume de Vladimir et le roi Isné Jourouge de Vladimir, hein, alors issu d'une longue famille, si on peut dire ça, de personnes qui ont plutôt, qui sont plutôt portées sur la bouteille que portées, enfin portées sur la bouteille et le combat, il faut bien l'avouer quand même, puisqu'on a eu des événements assez particuliers quand même. On a eu notre oncle qui a régné avant nous. Malheureusement, bon, la succession ne s'est pas faite aussi aisément qu'on aurait voulu. On a tenté aussi de réformer la religion. Pour l'instant, ça ne vient pas. Il faut arrêter les temples pillés. Il faut aussi augmenter, enfin tout ce qui est temple profané, etc. Il va falloir faire un petit peu le ménage là-dessus. Et puis, ben, peut-être même aller chercher, si nécessaire, la dernière zone religieuse pour pouvoir se réformer. Parce qu'on sait que, ben, malheureusement, les orthodoxes, quoique je disais que les orthodoxes étaient peut-être pas si bien que ça, mais en fait, semble-t-il, que de ce côté-ci, le despote de Épire a repris un petit peu du pouvoir. Et maintenant, on a un royaume ici qui est donc orthodoxe. Alors, est-ce qu'on peut lui demander... On pourrait partir là-dessus, hein. Maintenant, on sait qu'on pourrait lui demander une conversion de masse directement pour notre pays. Ce qui pourrait être utile, hein, puisque l'on voulait justement devenir orthodoxe. Alors après, peut-être prendre une hérésie plutôt que d'être orthodoxe même. Mais ça nous permettrait notamment de pouvoir nous féodaliser. Et comme on a plein de constructions en cours, ça pourrait nous permettre d'être pas mal. Alors il va falloir faire le plein d'argent, bien évidemment. Mais ça pourrait être plutôt pas mal. Merci à toi, Ardarin, pour ton abonnement. Quatrième mois. Ça marche, merci d'être passé en tout cas. Je suis malheureusement occupé ce soir, mais je vais rattraper sur YouTube. Bonne soirée. Bah, merci, merci d'être passé, ça fait toujours plaisir. Donc, bah, pour le coup, ça c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il y ait un royaume orthodoxe, puisque ça veut dire qu'on va pouvoir partir déjà sur le fait de fonder la Russie en tant qu'orthodoxe. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis on a vu que nos voisins n'étaient pas forcément dans leur meilleur état. Alors bon, certes, il y a la Prusse qui se débrouille pas trop mal. Mais la Prusse est Romuva et se fait bien attaquer, donc on aurait moyen après de récupérer des choses intéressantes là-dessus. On a Targent qui est Tengri, non qui est Slave d'ailleurs, bon bah pourquoi pas. On va voir un petit peu ce que l'on peut faire tout autour de nous. Mais le but là, vraiment, ça va être de pouvoir s'en dépatouiller et de pouvoir faire des choses intéressantes. Alors malheureusement, on n'a pas le... Ça c'est déjà, ouais, encore... Encore 66 ans. Bon, bah, on va déjà partir là-dessus et puis avancer bien, bien tranquillement. Donc, on avait un petit pillage à faire, ou en tout cas une prise de territoire avec notre société. Piller la province de Serpukhov, qui se trouve ici. Donc, ça veut dire regrouper l'ensemble de nos troupes. 7800 troupes que l'on va lever, bien évidemment. Mettre en pillage, ça va de soi. On va aller piller tout ça bien gentiment. Donc regroupons tout notre beau monde. Les faucetiers maintenant pour un nouvel oiseau de chasse. On va prendre le prestige. Même si on n'est pas encore, encore converti. Le prestige pour l'instant va nous aider. On va s'en aider en tout cas un maximum. Et on a ce territoire-là à améliorer. Peut-être faire un village marchand. Quoi qu'on va garder notre argent si on a besoin d'améliorer nos bâtiments bien sûr. Nous avons une nouvelle recrue impatiente. Je vais lui faire savoir qu'elle doit faire ses preuves avant... d'accord. Oh, c'est bien. Et on demande à notre fils de lui exploser la tronche. En espérant que notre fils ne se fasse pas péter la tête.
D'accord, il a réussi. Bon, notre légende augmente. Donc c'est la deuxième fois, hein, qu'on fait la légende d'ailleurs. Et elle augmente plutôt pas mal. Pour l'instant, elle est à 38%, ce qui est plutôt une bonne chose. Chaque pillage, chaque fait pour Otso devrait nous être profitable. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, est-ce qu'on a des personnes Soyons humbles un petit peu. Ça fera pas de mal. Qu'est-ce que je voulais regarder? Ben je sais plus. Ce qui est utile en soi. Alors on m'a expliqué hein, pour la succession. Notamment si on voulait avoir plusieurs lignées, on est obligé d'en fait de faire un mariage matrilinéaire avec quelqu'un qui possède déjà notre lignée, qui va diriger bien évidemment nos terres. Et à partir de là, on pourra bien sûr en profiter grandement. Toi, t'as usurpé la chefferie de Kémy à cet homme-là. Ah, Svijod est puissant hein, dans cette partie. Et la Saxe, on regarde un petit peu les différentes familles qui gèrent ici. Ouais, c'est la famille Vilks, hein, malheureusement, qui dirige pas mal. Si on regarde un petit peu les familles. Alors, est-ce que je pourrais avoir les familles? Voilà, les dynasties. On voit la dynastie Vilks qui se tient très bien. Les Primis Lead. Qui tiennent aussi beaucoup de territoires. Et après, bon, ça se partage un petit peu. Mais les Carling, bien évidemment, qui prennent beaucoup de territoires. On a vu ici que le royaume de Badaros s'était formé. On a les Moualabides qui tiennent aussi. Alors, c'est un multiple roi, multiple sultan en tout cas. Et qui est également. Qui dirige également la foi adverse. Un peu plus de pillage, c'est toujours bien. Et on avait ce territoire-là qu'il faut à tout prix. Voilà. Et qu'est-ce que c'est construire une grande colonne? Non, ben non. Mais est-ce que construire une grande colonne. Ça augmenterait l'autorité morale. Après, on n'a pas suffisamment de prestige pour vraiment le faire. Et on compte pas vraiment utiliser notre prestige pour ça. Comme on va faire une conversion de masse dès que Épire. Est-ce que son successeur est bien. Ah, il est passé catholique. Ah, fils de chien. Pardon. On va essayer de le faire assassiner dans ces cas-là et on fera la conversion de masse dès qu'on aura appris son assassinat. On gagne des points, parfait. Notamment sur l'infanterie légère, on a de très bons piquiers. Et on verra si on continue de les avoir d'ailleurs. Est-ce qu'on a des personnes de. Oui, 260 pièces à se faire. Ça pourrait être pas mal, cette histoire. Des personnes qui acceptent de se vendre, c'est toujours très aimable. Oui, ça c'est à piller absolument. Hein. Il y a beaucoup de pièces ici. Et normalement, on aura ce qu'il faut. Hein. Dans l'exercice de mes fonctions pour les fidèles d'Otso, j'ai rencontré le héros Uko à plusieurs reprises. Ces rencontres n'ont jamais bien fini. Apparemment. Ouais, prenons une rivalité contre cet homme, ça pourrait être pas mal. Demandez à notre fille de rejoindre. Allons-y. Bon, elle est toute frêle, elle est vraiment pas tout ce qu'il faut, mais. Et donc, en termes de légende, nous sommes passés à 46%. C'est très lent. Bonsoir à toi, Glorfin. C'est très très lent, faut bien l'avouer, c'est vraiment pas excellent.
Ok, on a gagné. Bon, il y a ce qu'il faut. Faut piller. Est-ce qu'on est en paix avec la Prusse? Non, pas vraiment. Et la Prusse actuellement, bon, ils ont de la renommée et tout, donc du prestige, donc ils pourraient lever des armées grâce à ça. Après, le roi gagne contre Dedo de Vard. La guerre d'assujettissement de Bohême, pour l'instant, c'est le roi de Bohême qui gagne. La conquête de Prutenia se passe pas top top. Après, est-ce qu'il est apprécié de ses vassaux aussi? Ah, il y a une grande partie de ses vassaux qui ne l'aiment pas trop. Bonsoir à toi, Tips! Donc là, pour l'instant, on n'est pas trop trop mal. On engrange de l'argent, on engrange des choses. On va essayer aussi d'améliorer encore quelques bâtiments pour pouvoir vraiment s'assurer. Guilde des marchands et bourg fortifié pour le château. Oui, ça c'est important. Un peu d'argent mis de côté, toujours appréciable. Au moins tout monter niveau 2 pour pouvoir vraiment. Parce que donjon et camp de miliciens, c'est trop important. Si on peut mettre un peu de prestige dans ces bâtiments-là. Oui, le fort fortifié, forcément. Et la cité marchande. Ok, on aura bien utilisé notre argent. Et bah, on va pouvoir partir sur le pillage suivant. Échec de la guerre djihadique. Bien, félicitations à la reine d'Abyssinie, dite la Grande, qui est baptême officier par le patriarche Ioannas. D'accord, très bien. D'ailleurs, et lui, est-ce qu'il est... Ah, toujours un catholique, lui, hein. Et d'ailleurs, notre assassinat contre lui, est-ce que, y a du monde qui rejoint? Donc, apparemment, les catholiques ne sont pas si forts que ça. Notre fils a lui aussi un petit-fils, Inzei. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. La succession est assurée. Bonsoir à toi, Falseag. Pareil, Folker, bonsoir, un bienvenu, bien évidemment. Apparemment, cet homme-là tente une joute verbale. Est-ce qu'il a la luxure? Non. J'ai vu qu'il y avait colérique. Est-ce qu'il a la gentillesse au pire? Non, paresseux. Envie et timidité, luxure. Aucun guerrier n'est aussi lâche que celui entre vos jambes. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, je prends. On perd, mais alors qu'est-ce que c'est drôle. les combats comme ça sont vraiment très très drôles. 53%. On progresse et on pille. Et d'ailleurs, on a peut-être des prisonniers encore à échanger. Qu'est-ce qui se passe? Ma femme a été assassinée, semble-t-il. Pourtant, elle était bien, ma femme. Bon, on va mettre notre fils en tant que régent. Ça sera très bien. Ça, c'est en cours. Donc, normalement, on devrait garder ce territoire-là et qu'il ne retourne pas chez les nomades. Ce qui sera parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Une femme, mais si possible âgée, pour éviter d'avoir d'autres enfants. Je ne veux pas d'autres fils. Parce que déjà, là, il va y avoir un petit problème de succession. Est-ce que cet homme-là avait des enfants? Oui, il a un fils aussi, hein. Mais moi 24, mais il est pourri. Bon, est-ce qu'on pourrait avoir une femme âgée, s'il vous plaît, qui soit une génie et qui puisse nous permettre de tenir un peu. Voilà, ça sera pas mal déjà. De pouvoir avoir une femme sur qui compter.
Qu'est-ce que tu veux? Ma courtisane. Oui. Enfin, vas-y, marie-toi. Et donc, en termes de société, nous sommes à 54%. C'est pas excellent, excellent, cette histoire-là. Et là, par contre, il y a une révolte. Il y a une révolte qui pourrait être intéressante et qui pourrait peut-être nous donner ce territoire-là. Donc, je vais rentrer avec mes troupes. Et on va voir si on peut attaquer pour prendre... Quoique, attendez, est-ce que celui-ci est toujours... Lui orthodoxe, lui orthodoxe. Lui catholique. Et sa fille est bien orthodoxe. Mais il a 50 berges. Le souci étant, c'est qu'il est paranoïaque. Donc le faire assassiner, c'est plutôt compliqué généralement. Baissons nos troupes. On en a plus trop besoin. Ok. Et toi, pourquoi peut-on t'attaquer? Des disputes frontalières. Ouais, ça pourrait nous faire rentrer dans le royaume de Perm. Avec notamment Viliki Ostiug, qui est plutôt pas mal comme territoire. Donc on va lui faire lui déclarer la guerre. Donc c'est Tassou Minusco lui aussi, mais peu importe. On va demander l'aide de nos vassaux déjà. Même si beaucoup ne voudront pas venir. Le conseil est insatisfait, j'en ai rien à carrer du conseil. Et on va regrouper nos troupes. Ah, c'est vrai qu'on attaque en plein hiver, histoire que ça soit drôle. Ah! La famille a perdu les titres qu'elle avait ici. Oui, bah oui, forcément. Bah, on t'avait dit que t'étais à chier, donc en même temps, fallait t'attendre à quoi? Famille qui se croit efficace. Dommage qu'on puisse pas faire venir le mystique là. Parce que 111%, c'est plutôt pas mal quand même, hein. Après, si j'ai un de mes fils qui meurt, moi ça va. Oh, attendez, va empoisonner, va empoisonner. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le vin empoisonné fonctionne? Ah oui! Et il est même bien décédé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on a bien une orthodoxe à la tête du trône, on aura un autre orthodoxe derrière, donc techniquement on devrait pouvoir faire la conversion de masse. Ok, et nos chefs ont toujours pas l'air de vouloir venir discuter avec nous. Bon, par contre, faudrait finir ce siège rapidement avant qu'on se tape l'hiver. Parce que ça risque de piquer un petit peu. Ah, j'ai chopé la diarrhée. Mercredi, en espérant ne pas mourir. Et on va faire la bataille ici et normalement. J'ai reçu une mauvaise nouvelle ce matin, mon prisonnier s'est échappé. Ah, il y en a peut-être un qui est mort dans l'idée. Réduire l'organisation tribale, il y a du monde hein, par contre. Allez, on se fait taper s'il vous plaît. Notre fils dirige nos troupes. Alors c'est pas notre héritier, c'est pas plus mal. Mais par contre, ouais, ça fait un peu flic. Le problème d'hiver. Bah.
Oh, on se fait défoncer là, par nos propres. Il n'y a pas de ravitaillement ici. Ah, j'aurais dû venir ici, n'importe quoi. Ouais. Et nos vassaux ne sont toujours pas enclins. Bon, on va gagner 150 soldats, c'est toujours pas mal, mais. Bon après 52%, tant qu'on gagne notre, on garde notre territoire, moi après je m'en moque. C'est surtout que j'aimerais bien que mes vassaux. Parce que si je suis obligé d'utiliser ma renommée, bon je vais être obligé. On va utiliser les guerriers d'Uko. Et non, je ne vends pas mes terres, ça va pas à la tête. Et j'aurai un malus. Allez, entamons les recherches. Ok, il y a 7000 hommes là qui se baladent. Alors, est-ce que je me fais attaquer ou pas? Parce que là, je sens bien le coup où il va venir sur moi. Donc, on va juste reculer bien gentiment. Tant qu'on tient nos armées. D'accord, il y a une révolte, semble-t-il, de Romaviens, je ne sais trop où. Mais pas pour nous, donc ça va. Je ne suis plus humble, ça c'est un peu dommage pour nous. 72%, de toute façon on a fait. Non, on n'a pas fait de bataille, hein, juste 5% d'occupation. Pas de bataille majeure pour le moment. Bon, on peut reprendre la capitale d'ailleurs au passage. Et cet homme-là ne se cache plus. Allez, le bras de fer. Est-ce qu'elle peut me battre au duel? Oh, on va l'insulter. D'accord, j'étais une nana qui voulait me draguer, tout va bien. C'est ce qu'il faut. Ça va bien, on réussit de bonnes choses. Tiens, si on le sacrifiait celui-là. Ça aussi, ça se sacrifie, c'est très bien. Y a pas à dire, un petit sacrifice de temps à autre, c'est toujours une bonne chose, hein. Ok, 98%, normalement on devrait être pas trop mal. Et un homme est décédé du cancer, bah triste pour lui, tiens. 504 pièces d'or à se faire là. Et est-ce que cet homme-là accepterait? Non, il veut pas. Ah oui, mais en même temps. On avait capturé sa fille spéciale préférée et adorée, donc. Non, il veut pas. Je perds, mais je me rends pas. Oui, bah oui, si tu veux, oui. Par contre, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse. Qu'on tienne 3 ans de guerre. Alors, on a commencé. Ah oui, d'accord, 2 ans, 9 mois. On n'est pas trop mal. On est bien proche de ce que l'on veut faire. Alors. Cet homme-là, par contre, on va le mettre en poste pour le calmer un petit peu. Dis-moi, ok, c'est pas mal. Alors, on recherche toujours un artefact, hein, voir si on peut retrouver notre fameuse épée plus 2, qui était vraiment bien. J'avais des territoires, moi, ici? Bon, territoire conquis, on va baisser les armées parce que ça nous coûte cher quand même cette histoire-là. Et on a perdu notre maître espion. Comment ça, on a perdu notre maître espion? Le chef
pourrait faire le taf. Et je vois que le royaume de Thrace s'est formé. Alors, voyons voir pour le royaume des pires. C'est toujours un orthodoxe, donc on pourrait lui vraiment demander le changement de religion. Hein. J'ai vraiment envie. On a du prestige, on aurait de quoi, je pense, améliorer encore nos bâtiments.